Ça y est, on y est, depuis le temps qu'ils en rêvent, depuis le temps qu'ils en parlent, c'est l'heure de leur entrée officielle dans ce mondial. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite au Lusail Stadium pour vivre ce match. Salut à toutes et à tous, on est à Lusail, à quelques kilomètres du centre-ville de Doha. L'ambiance est en train de monter dans les tribunes du Lusail Stadium. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. C'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour ces deux pays avec ce premier match de poule. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. On ne peut pas être indifférent à un match de Coupe du Monde. Tu as toujours les papillons dans le ventre et les étoiles dans les yeux quand ça commence. Et un œil sur le 11 de départ de cette équipe. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Alors voyons le 11 qui va démarrer pour le Portugal. Le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien. C'est un véritable spectacle. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce match de coupe. Oui, à deux, c'est bien fait. Et ça joue avec Bruno Fernandes. Ouais, bonne intervention du gardien. C'est un nouveau corner. Joué en Cancelo. Avec Cristiano Ronaldo. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. On revoit cette séquence de passes rapides pour déstabiliser la défense. C'est ça le tiki-taka. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça. Oui, dans la profondeur, en excellente position. En plongeon de Rui Patricio. Et maintenant, Minson. Le tir de Wanguchu et c'est au fond l'égalisation. Goal! Alors voilà, on vient de voir du tiki-taka. Le ballon circule vite pour créer une brèche et ensuite mystifier la défense. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien a redu sans commettre de faute. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Bonne détente sur ce ballon. Le ballon est joué court.
William Carvalho. Attention à la frappe. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Il y a des attaquants dont c'est la spécialité. Ce genre de but dans les 6 mètres. C'est un art de l'anticipation et de l'intuition. William Carvalho. Guerreiro reçoit le ballon. Oh, la bonne parade. Il y en a qui peut se projeter. William Carvalho. Une balle jouée en profondeur. Oh, c'est dedans, but! Regardez le tiki-tac, ce n'est pas la possession stérile, mais un jeu de passe agressive pour ouvrir une brèche. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question du duel. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Oui, le tir. Encore un tir contré, il est partout. Sonne. Et voilà, Bombasso. Le retour dans ce match. Encore un but à marquer. Et c'est possible. Et la folie qui s'empare peut-être des dernières secondes. Plus qu'un but d'écart maintenant au tableau d'affichage. Sur l'engagement, tout le monde va vouloir partir à l'attaque pour essayer d'égaliser dans la foulée. 3-2 donc au tableau d'affichage. Et voilà, c'est terminé. L'arbitre tire le rideau sur cette rencontre. Le Portugal s'impose. Effectivement, petite victoire d'un but dans un match qui aura été tendu d'un bout à l'autre. Ça s'est joué à pas grand-chose.